la République du Mali, pour la constitution du Mali, un député, il est élu pour 5 ans. On ne peut pas faire démissionner un député par force. Il ne peut démissionner que par sa propre volonté et nous, on n'a pas la volonté de démissionner. Voilà pourquoi nous avons fait la conférence de presse pour informer, édifier l'opinion nationale et internationale sur notre position. Et heureusement pour nous, la plupart des partis politiques aussi avaient déjà donné le ton pour dire que leurs députés ne demanderont pas à leurs députés de démissionner. Donc cela correspond avec notre avis. La loi malienne, la constitution malienne permet au président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale. Et ça, personne ne peut s'opposer à ça. C'est aussi simple que ça. S'il y a blocage, surtout au niveau des possibilités constitutionnelles normales, bien sûr, de nomination, on demande notamment au président de la République de recourir à ses prérogatives exceptionnelles prévues par l'article 50 de la Constitution pour nommer à lui seul tous les membres de la Cour constitutionnelle. Les problèmes ne se posent pas à ce niveau. Nous avons vu dans certains États ce qui a été fait. Beaucoup de gens disent que oui, avant que le président de la République ne s'arrose de ses pouvoirs exceptionnels, il faut qu'il consulte la Cour constitutionnelle. Si elle n'est pas là, par comment il va consulter la Cour constitutionnelle? Le cas du Niger, la Cour constitutionnelle était déjà partie. Il n'y a pas eu de consultation concernant la composition de tous les membres de la Cour. Donc, les pouvoirs exceptionnels du président de la République, c'est une très bonne chose. Ça va dans le sens du respect de la Constitution, de la continuité de l'état de droit et du fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Donc, si ces pouvoirs exceptionnels peuvent être utilisés dans le sens de débloquer une situation qui n'a que trop duré, c'est une très bonne chose parce que ça va dans le sens du respect de l'état de droit et de la stabilité du pays. L'urgence qu'il y a aujourd'hui, c'est de se consacrer, de s'orienter vers des réformes majeures allant dans le sens de consolider la démocratie, de consolider un état de droit et éventuellement pour une paix durable dans notre pays. Et cela pourrait permettre d'établir une certaine confiance démocratique avec l'ensemble des acteurs politiques et sociaux du pays. Vous savez que tous les textes législatifs et réglementaires et même constitutionnels au Mali doivent être revus. Il y a beaucoup de contestations aujourd'hui parce que les textes ont atteint leurs limites, les lois ont atteint leurs limites, les règlements, la constitution, la même chose. Donc il faut engager de grandes réformes allant dans le sens de rétablir une certaine confiance démocratique avec l'ensemble des acteurs du processus démocratique.